Bonjour et bienvenue à Portrait des gens de chez nous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec un artiste peintre. En direct de son atelier à Rock Forest, voici M. Jean-Claude Simard. M. Simard, bonjour. Bonjour. On est présentement dans votre maison à Rock Forest, dans votre atelier, là où vous travaillez. Oui, c'est là. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous peignez? Ça fait longtemps. Moi, j'ai un peu l'impression de toujours avoir fait de la peinture, parce que j'ai commencé jeune. J'ai commencé à faire un peu, à copier des reproductions avec de la peinture ordinaire. J'appelais ça la peinture à galerie. Parce que je ramassais les fonds de peinture. J'ai commencé à cet âge-là. Mais dire, là, commencer là, à faire ça sérieusement, à exposer, j'ai commencé à 70. Ma première exposition, c'était en 70. Vous êtes natif de Saint-Félicien, au Lac Saint-Jean. C'est ça. Vous avez vécu à Saint-Félicien, je pense, pendant 30 ans, c'est ça? Moins de temps que ça, un peu. Parce que moi, je suis à Chibougamau. J'ai monté à Chibougamau en 58. Puis, moi, je suis né en 32. Ça fait que... Donc, ça vous fait 68 ans. Ça. Fallait pas le dire. Est-ce que c'était un secret? Non, c'était pas un secret. C'est bien. Alors là, vous dites que vous êtes monté à Chibougamau. De quoi vous viviez à ce moment-là? Bon, à ce moment-là, c'est que en travaillant, à l'époque, on faisait ce qu'il y avait à faire. Hein. On faisait n'importe quoi. J'ai été opérateur de pelle mécanique, de machinerie lourde. J'ai travaillé dans les chantiers. J'ai fait un peu de tout. Puis, c'est les mines qui m'ont emmené là. C'est qu'à un moment donné, j'ai monté là pour travailler dans les mines. Puis, je me suis placé dans les mines. Puis, j'ai fait 15 ans de mine. OK. Vous étiez marié à ce moment-là? Non. Vous n'étiez pas marié? Mon épouse est arrivée après, en 59. Un an après. Un an après. Oui, je suis mariée en 59. Vous êtes mariée depuis ce temps? C'est ça. Vous avez trois garçons? Trois garçons. Ils ont quel âge, vos garçons? Il y en a un qui a 40 ans. Puis, l'autre a 36. Puis le dernier, qui a eu 30 ans. 30 ans le plus jeune. Oui, le plus jeune, c'est Nicolas. Alors, vous avez travaillé pendant 15 ans dans les mines. Oui. Tout en peignant, j'imagine, dans vos temps libres. Oui, mais j'ai commencé en 70 là, à exposer. Puis moi, les mines, j'ai lâché 172, fait que j'ai fait 2 ans. Mais j'avais commencé avant un peu à faire de la peinture, parce que moi, je faisais... Partout où je voyais, je ramassais des dessins. Surtout, à l'époque, il y avait les Autochtones, qui avaient beaucoup dans la région. Et puis, ça, c'est jamais ça. Je faisais un dessin, je faisais un croquis, puis je ramassais ça. Quand vous dites les Autochtones, est-ce que c'est vous peignez leur paysage ou les gens? Je peignais beaucoup la vie des Autochtones. Là, je faisais disons, si je faisais un campement ou des canaux, là, j'avais toujours des personnages. Chose que je fais plus, je vais faire un paysage ici en Estrie, il n'y a pas de personnage. C'est très, très rare que je vais mettre un personnage. Parce que je ne me pose pas la question, c'est que ça ne se présente pas. Tandis qu'en peignant des Autochtones comme ça, il me semble qu'ils faisaient partie, il fallait qu'il y en ait. J'en mettais tout le temps. Êtes-vous capable d'expliquer pourquoi? Non, je ne sais pas. Vous savez c'est pas. Que je crois que, comme dans les Autochtones, eux autres, ils faisaient partie du paysage. Si tu faisais, par exemple, un campement, une tente, ça, s'ils n'étaient pas habités... Est-ce qu'à ce moment-là, quand vous peignez les Autochtones, est-ce que vous faisiez ça sur place ou vous faisiez des esquisses, puis ensuite... Surtout des esquisses, puis je faisais ensuite les tableaux. C'est arrivé peut-être 2 fois que j'ai peint des Autochtones, là, faire des campements sur place. Mais il y avait, par contre, des lacs, des rivières, ça m'est arrivé souvent, comme... La place où j'ai commencé à faire de la peinture, c'est le plus souvent, le premier tableau que j'ai fait, là, à mon avis, là, vraiment intéressant, là, c'était, nous autres, on appelait ça le Rainbow Lodge, mais c'était la décharge du lac Chibougamau dans le lac Doré. Puis j'allais là, puis je l'ai fait aller jusqu'en 84 à peu près, les ans. Le même paysage. Ouais, en automne, en été, le printemps, surtout le printemps, j'allais faire un tableau là. Ça, c'était un endroit merveilleux, c'était une belle place, c'était un rapide qui descendait en serpentin, puis j'allais faire ça. Est-ce que vous pensez que vous êtes né avec ce talent-là? Est-ce que c'est quelque chose qui était, quand vous avez pris un pinceau dans votre main, que vous l'avez trempé dans la peinture, est-ce que c'était naturel? Ou c'est un talent que vous avez développé? Moi, je crois que tu nais avec le goût, parce que le goût, je ne sais pas pourquoi, moi,
jeune, quand je voyais, par exemple, c'était très haut, il y avait, à l'époque, quand tu étais jeune, de la peinture ou des reproductions, tu voyais ça sur un calendrier d'une aide du magasin ou dans certaines revues. Moi, j'ai copié des peintes qui étaient reproduites dans la revue Le Samedi, que vous n'avez sûrement pas connue. Non. Disons que j'ai même conservé de ces reproductions-là, qui étaient de Clarence Gagnon à l'époque, ou Massicotte, ou des choses comme ça. Puis là, moi, je reproduisais ça. Ça, là, dans les années 40, là, on va, c'est assez loin. Là. Alors, vous faisiez des reproductions? Ouais, pas beaucoup, mais quand j'en trouvais, là, j'avais l'occasion avec de la peinture, j'en faisais, puis j'ai fait beaucoup de dessins. Ça, je dessinais tout le temps. C'est pour ça que je dis que c'est probablement le goût que tu nais avec ça. OK. Et le talent, j'imagine que vous l'avez développé au fil des ans, avec le matériel, avec... Oui. Vous n'avez jamais pris de cours? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. J'ai fait un certificat en art plastique à l'université dans les années 80 par les soirs. Ça, mais ça, ça n'a rien à voir, je pense, avec la peinture. C'est surtout chez les soirs de l'art. Puis, moi, ça m'a permis de me fixer, de savoir où j'étais rendu avec ça. Et où vous êtes rendu avec ça? C'est qu'à un moment donné, c'est que j'interprète beaucoup. Moi, je crois que là, je suis plus un peintre interprète parce que je vais aller dans la nature. Quand j'y vais, là, je me sens plus pris un peu. Il faut que j'oublie des fois d'interpréter mon affaire. Quand vous parlez d'interprétation, là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous dites « j'interprète ». C'est que vous vous créez dans votre tête l'image qui n'est pas là? Disons que je l'arrange. Okay. C'est ça qui arrive. Comme vous avez le tableau en arrière ici, oui, là, vous voyez l'esquisse. Oui. Là. Bon, là, je fais un dessin. Et puis les couleurs, ça, c'est à toi. Toutes les couleurs, c'est à toi. Quand tu es dans la nature, ben, tu y vois plus. Mais ça donne tout un autre effet. C'est plaisant aussi parce que ça donne... Puis tu peux aussi interpréter que tu es dans la nature parce que le peintre, quand même, c'est pas vraiment ce qu'il voit. Là. C'est pas une photo. Je crois que ça soit pour n'importe quel peintre. Là, t'as un peu... Mais quand je suis sur un esquisse de même où j'ai plus de facilité que je trouve, là, j'interprète plus, c'est mes couleurs, c'est fin d'arrangement. Autrement dit, tu fais une composition. Puis en peinture, moi, je crois que la grosse base, c'est la composition. C'est le dessin, là, mais c'est de composer le tableau. Là, vous me parlez de ça. Moi, je connais rien à la peinture. J'imagine que les téléspectateurs, à peu près pas non plus. Vous, là, quand vous avez commencé, j'imagine que vous ne pouviez pas nous parler comme ça, des compositions. Où vous avez appris tout ça? Ah, ça s'est appris tout ça. Moi, je crois que la composition, je me demande si c'est pas inné. Ça, c'est, je crois que c'est ça, dans l'art, qui est inné. C'est surtout ça. Parce que le dessin, ça s'apprend. La perspective, avoir de la perspective, il faut aller... Parce que la perspective, c'est rentrer dans une surface plate, autrement dit. Ça, je crois que ça s'apprend. La composition, probablement que ça s'apprend aussi. Mais moi, je crois que c'est ça qui est inné dans la personne. Parce que pour faire un arrangement, c'est une composition. Puis ça, je crois que ça, là, tu viens un peu avec ça. Vous avez exposé la première fois en 1970. Oui. Et vous avez arrêté de travailler dans les mines en 72. En 72. Ça veut dire que toutes ces années-là, vous avez réussi à vivre que de votre art. Oui, mais j'avais un autre violon dingue. J'avais une corde à mon arc. Oui. Ce que je faisais, c'est que j'ai fait le travail des mines aussi, parce que j'avais développé pour dépanner, parce que j'étais dans une région éloignée, je faisais de la peinture commerciale. Je faisais du lettrage. Fait que j'ai commencé à faire du lettrage de camions, puis dans les vitrines, puis tout. C'est moi qui lettrais pour la compagnie SO, la ville de Chibougamau. Puis à l'époque, toutes les voitures de police, c'était tout fait à la messe. Fait que c'est ça que je faisais, moi. Là, OK, du lettrage. Puis je faisais mes tableaux aussi. Fait que l'hiver, c'était plus calme, donc je peignais des tableaux, puis j'exposais une fois, deux fois par année. Et vos tableaux, ça s'est toujours bien vendu à ce moment-là? Oui, 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 oui. Parce qu'un peintre, ça vient que c'est toujours un peintre qui a toute ta façon à toi de faire. Puis c'est pas facile parce que faut toujours que tu te différencies des autres. Puis c'est pas facile. Est-ce que c'est un domaine où la compétition est féroce? Oui. Est-ce que c'est difficile de se démarquer des autres artistes? Oui et non. Moi, je crois que tu prends. Quand tu as une certaine expérience, tu as un style qui se démarque. Ça fait que. T'as un pas d'avance sur les autres, mais il y a de la compétition, mais il reste que t'as toujours la place pour eux. Ça,
dans la peinture, c'est un domaine. Puis quand je suis arrivé en Estrie, ici, moi, j'étais dans une région éloignée, j'étais pratiquement tout seul à être à ce niveau-là à l'époque. Donc, tous mes tableaux, moi, ou dans cette région-là, servaient, par exemple, pour faire des cadeaux. S'il venait un ministre, s'il venait quelque chose d'important, la Société de développement de la Bay Dream, par exemple, avait des remerciements à faire. Moi, c'était mes tableaux qui servaient. Mais au moment où je suis arrivé ici en Estrie, en 91, là, c'est plein de bons peintres. Il y en a beaucoup de bons peintres aussi, puis il y en a beaucoup de peintres ici. Alors, pourquoi vous êtes... Vous étiez établi dans cette région-là, oui, depuis X années. Pourquoi, au bout de 30-40 ans, on décide de changer complètement de région? Ah, ça, il y a toutes sortes de choses. C'est qu'à un moment donné, moi, dans mon travail de lettreur, puis j'avais mon épouse qui enseignait une trentaine d'années, puis elle prenait sa retraite, et puis on avait le dernier de nos fils qui venait faire son université à Sherbrooke, ici. Donc, vu qu'il avait choisi Sherbrooke, et puis là, quand c'est le troisième, là, puis louer encore un appartement, tout ça, ben là, voici, on va s'en aller dans la région, on va bâtir une maison, et puis quand il aura fini, ben on verra. Fait que lui, il a fini, puis il est parti, puis nous, il est encore ici. Lui, il est retourné? Il est à Montréal. OK, il n'est pas retourné, ouais, au Lac-Saint-Jean, non. Lui, il est à Montréal, puis il travaille dans son domaine. Puis vous, pourquoi vous avez décidé de rester? Parce que j'imagine que vos fils, ils sont éparpillés un petit peu. J'en ai un, Sherbrooke. C'est un hasard. Il y en a un, le deuxième, Jean, qui il est arrivé, lui, 6 mois avant moi, mais c'est complètement un hasard. Il est arrivé pour travailler pour une firme d'ingénieurs. Aujourd'hui, il est chez Sima, puis il est encore là. Et puis, l'autre est resté à Chibougamau. Ça fait que j'ai vendu ma maison au plus vieux, puis lui est à Chibougamau. Toujours dans votre ancienne maison? Oui. Oui, c'est lui qui est là. OK. Donc, vous avez un petit peu, en quelque sorte, votre pied à terre à Chibougamau, chez votre fils. Disons, là, on y va une fois par année, parce que quand tu as vécu longtemps dans une région comme ça, puis lui, il est là, fait qu'on monte faire un tour une fois par année. Une fois par année, on monte. J'imagine que lui vient vous visiter aussi. Oui, à l'occasion. Et puis, l'Estrie, mais c'est tellement de belles régions. Moi, ça me manquait, ce côté-là, parce que moi, j'avais vu beaucoup la forêt. Puis, dans les régions nordiques, comme ça, c'est très beau. Hein? La lumière est vraiment forte. Et puis, l'été, les jours sont très longs. Hein? C'est beaucoup plus long qu'ici. Les jours sont plus longs qu'ici. Oui, ils sont plus longs qu'ici. Puis, même où si on était, nous autres, pourtant, c'est rien qu'à 8 heures de voiture d'ici. Là. Puis, tu le sens que les jours sont plus longs. Mais l'hiver, tu as l'inverse, ils sont plus courts. OK. Mais on le sent déjà. Puis c'est une belle région, mais là, ça se présentait. Et puis là, j'ai découvert l'Estrie. Puis là, on savait qu'il a fallu que je me batte un peu avec le vert, commencer à faire de la peinture. C'est très vert, hein? c'est très beau. Puis c'est une belle région parce qu'on n'a jamais fini de visiter les coins. Moi, les fermes, tout ça, ça me manquait. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de maisons. Là, j'interprète beaucoup des maisons. Là, vous êtes parti sur les maisons? Oui. Avec les montagnes derrière? Ben oui, parce qu'ici, il y a des montagnes. Vous n'avez pas ça au Lac-Saint-Jean-les-Montagnes? Bon, au Lac-Saint-Jean, oui. Au Lac-Saint-Jean, il n'y a pas de montagne. Parce qu'il n'y en a rien que sur un côté, puis pas beaucoup. Parce que c'est un lac qui est plate. Puis Kouagami, ça veut dire lac plate. Mm-hmm. En amérindien, c'est ça, okay, que ça veut dire. Et puis, mais c'est une autre façon. C'est une autre région. J'ai peint beaucoup le nord du lac. Moi, je descendais une fois par année, des fois deux fois. Puis je venais passer 8 jours. Puis j'ai peint à peu près tous les villages, les rangs du lac Saint-Jean, au nord du lac. Alors, le lac Saint-Jean a plus de secrets pour vous? Presque pas. Là, vous êtes parti, on voit ça dans votre atelier ici, vous êtes parti à peindre beaucoup des maisons. Oui, parce que j'aime ça. C'est beaucoup, plus ça. Même s'il y a un paysage là, profond, mais faut qu'il y ait une maison en avant-plan. Beaucoup, je mets des maisons, parce que Dieu sait s'il y a ici, avec les fermes, tout ça, c'est très, très beau. Qu'est-ce qui vous attire dans les paysages, ou plus spécifiquement dans les maisons? Parce que, bon, vous pourriez peindre des portraits, vous pourriez peindre des objets ou n'importe quoi d'autre, mais ce que je remarque, ce qui ressort beaucoup,
c'est vraiment les maisons, l'herbe, les arbres, le paysage. Oui, il faut qu'elle ait une certaine âge, à mon idée. Mais même si elle est jeune, tu peux la dire. Parce que moi, j'appelle ça les faire chanter un peu, là. Parce que c'est très rare qu'elle doit être. Hein, je joue avec, puis je leur donne un peu. Puis ici, il y avait beaucoup de vieilles maisons, des lucarnes, puis il y a beaucoup de styles, puis ça, j'aimais ça. Puis souvent, je joue avec ça. Vous dites que vous aimez ça, mais est-ce que c'est parce que ça vous inspire? Oui. Ou si c'est parce que vous trouvez ça juste beau? Non, c'est parce qu'il faut qu'elle soit habitée là. Parce qu'une vieille maison, pour moi, elle a un nom. Tu sens, tu regardes, tu vois une histoire dedans. Tu vois une histoire, tu dis, ben là, c'est dur d'expliquer ça, là. Mais c'est quelque chose que tu ressens. Ça, c'est vraiment plaisant. Tu peux le faire n'importe où. J'en ai fait beaucoup aussi au nord du lac Saint-Jean. Là. Mais à l'époque, je me tenais plus au nord. J'ai fait beaucoup les vieilles maisons. Oui, mes vieilles maisons, c'est qu'à l'époque, dans la région de Chibougamau, quand il y avait une installation minière qui commençait, là, ben, il y avait toujours un chevalement, il faisait une installation, il y avait des camps en bois rond. Et puis quand c'était abandonné, ça restait là. Il y en avait partout autour des lacs. Tu avais tout un vieux camp. Ça, j'ai beaucoup joué dans ça. J'ai beaucoup travaillé ça, j'adorais ça. C'était comme ici, nous autres, tu peux faire une vieille grange, eux autres, mais c'était une vieille mine. Ça, j'en ai fait beaucoup. Là, il n'y en a plus. Parce que là, le gouvernement a mis des lois là-dessus, puis il faut que tu retournes le sol à la nature. Alors, c'est tout brisé, il n'y a plus de ça. Puis il y avait des prospecteurs à l'époque qui construisaient des petits camps partout où ils allaient. Puis ils laissaient ces camps-là. Un autre le prenait, un chasseur venait. Puis vous, ces petits camps-là, vous aimiez ça? Oui, ouais, ça, j'aimais ça. Ça avait un cachet, puis ça avait de l'histoire. J'en ai fait beaucoup de ça. Est-ce que vous avez exposé ici dans la région depuis que vous êtes en Estrie? Oui, j'ai pas fait de grosses expositions. Ben, j'ai fait Magog à la bibliothèque une fois. J'ai fait Stansted. J'ai fait aussi la galerie Sensation deux fois en groupe. Ensuite. Quand vous dites en groupe, c'est plusieurs peintres ensemble. Ouais, j'ai fait un symposium de Lac Mégantic une fois, puis j'ai fait une exposition de groupe aussi à Lac Mégantic. À un moment donné, j'ai dit que je n'avais pas exposé. J'ai sorti un peu. Parce que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas exposé? Oui, j'étais quelques années. La première année, quand j'avais su, j'ai rien fait du tout. Là. Vous n'avez pas peint? Oui, j'ai fait l'atelier. Ouais, pas rien, j'ai fait l'atelier. Après ça, ben là, j'ai fait des cabanes à sucre. Bon, j'ai dû en faire 50, je pense. ça vous inspirait. Oui, je n'avais pas fait. Puis on envoyait beaucoup des cabanes à sucre. Autrefois, tu voyais ça sur les reproductions, n'importe. Fait que là, j'en ai fait beaucoup. Là, vous étiez parti ces cabanes à sucre. Ben, cabanes à sucre, puis... j'arrête ça. C'est fini, là. Ben, j'en fais encore l'occasion, là, mais pas de série comme ça. Vous étiez, lorsque vous habitiez au lac Saint-Jean, vous étiez très impliqué. À la Société d'histoire. Je pense que vous avez fait beaucoup de choses pour la Société d'histoire. Ouais, ça, c'est la Société d'histoire de Chibougamau. De Chibougamau. Moi, disons que j'étais avec un groupe, là, un des membres fondateurs, puis on avait fondé ça, je crois, en 76 ou 77. Et puis, ben, à un moment donné, ben, j'en suis devenu le président, mais à un moment donné, j'ai eu 10 ans. Vous avez été 10 ans? Oui, j'ai à m'en occuper. Hein. Président de la Société d'histoire de Chibougamau. Oui. Puis j'ai ramassé beaucoup de documents. J'ai fait beaucoup d'interviews à l'époque avec des vieux qui avaient fait la région. Et puis, finalement, que j'ai eu juste quand je suis parti, là où j'avais réussi à la faire accréditer. Là, Astor, c'est une société d'histoire accréditée. Autrement dit, c'est représenté par les archives, puis là, c'est un peu plus reculé, et là. C'était un objectif que vous étiez fixé? Oui, parce que c'est très dur. Bah bon, dur, c'est qu'il fallait que je la garde tout le temps en vie, hein, puis à un moment donné, t'as envie de balancer ça, puis après ça, ben j'étais membre de la Fédération, il fallait que j'aille aux assemblées au lac Saint-Jean, je pouvais de temps en temps. Mais vous êtes fondateur de la Société d'histoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à fonder une Société d'histoire? Ben, disons pas tout seul, avec d'autres, mais c'est dur à expliquer, ça. Je pense que c'est une maladie qui vient au monde avec, ça. Ah oui? Quel genre de maladie? Ça va, j'aimais l'histoire. Moi, j'ai toujours aimé, puis j'aimais ça.
Parce que moi, je suis quelqu'un. Je te donne l'exemple du petit moulin là, que, oui. que j'ai retapé. Vous pouvez peut-être nous raconter justement ce petit moulin-là que vous avez fait, que vous avez rénové ou oui. restauré. Oui, que j'ai restauré. C'est que ce petit moulin-là, moi, quand j'ai arrivé, les premières fois que j'ai été à Chibougamau, j'en avais entendu souvent parler par mon père, puis par un nom qui il appelait ça le moulin Fleury. Puis Fleury, c'est un Français qui. Il demeurait là, lui, il sortait une fois par année, peut-être, là, puis c'était un prospecteur. Puis il faisait de la prospection. Puis il avait installé ce système-là pour broyer sa pierre, pour faire ses échantillons. Et puis, la première fois que je suis arrivé chez moi, j'ai été voir ça. Là, j'ai vu ça. Puis j'avais pris 3 photos. C'est drôle, là, mais j'avais pris 3 photos. Et puis, quand on l'a refait en 78, ben là, il en restait beaucoup moins là, que quand j'avais pris mes photos. Mais j'avais les photos, et puis j'avais tout le fond de l'installation. Donc, avec un projet étudiant du fédéral, on a tout refait le moulin, de A à Z. Pareil comme il était avant, puis il fonctionnait, c'était vraiment plaisant. Alors là, à ce moment-là, les gens, les touristes qui allaient visiter Chibougamau, allaient voir le moulin. Ouais. Aujourd'hui, il y a une plaque, puis il est reconnu, puis... peuvent aller voir. C'est une attraction touristique. C'est pas loin, c'est en ville, autrement dit. Avant, c'était pas en ville, mais là, c'est en ville. Alors, l'histoire, ça a toujours été vivant dans oui. votre vie. Oui, ça a toujours été passionnant pour vous. Oui. Vous êtes encore comme ça. J'imagine que vous lisez beaucoup si vous aimez l'histoire. Oui. Oui. Est-ce que c'est... Tantôt, vous parliez de votre grand-père puis votre père. De mon père. Est-ce que vous, votre père et votre grand-père étaient comme ça aussi puis ils vous racontaient des histoires puis ça vous passionnait? Disons, pas mon grand-père parce que je ne l'ai pas connu, lui. Mais mon père, oui, je le crois. Il n'y avait pas l'occasion vraiment de raconter souvent, là, mais il était comme ça. Moi, je suis sûr qu'il était comme ça. Étiez-vous une grosse famille, M. Simard? On était 12. 12 enfants? Oui, on est encore 12. Vous êtes encore 12? Disons, on était 13, mais il y en a une qui est décédée. La plus vieille est décédée en bon âge. OK. À 29 ans. Puis, autour de nous, on était 13. Hein? Fait que, ouais, on est encore 12. Vous êtes 12. Et puis, vos parents, ils faisaient quoi à l'époque? Est-ce que vous aviez grandi sur une ferme? Ou votre père? Non, on n'était pas sur une ferme. Mon père, lui, de son métier, c'était un forgeron. Mais lui, sa spécialité, c'est que c'était un trempeur d'acier. À l'époque, il trempait l'acier à l'œil, là. Et puis, il travaillait pour les compagnies, soit pour faire du forage, ces choses-là. Puis, il a même travaillé à la mine où j'ai travaillé une secousse pour. Il trempait l'acier qu'il avait besoin là, pour faire des pointes, ces choses-là. OK. Monsieur Simard, dites-moi. Vous avez sûrement des projets futurs. Vous continuez à peindre. Je ne sais pas, vous me disiez tantôt, je peins pas quotidiennement. Je ne suis pas périodique. Ça arrive quand ça arrive. Moi, ouais, je suis périodique. J'ai des périodes. Est-ce que vous avez des projets futurs? Est-ce que vous avez une exposition en vue? Disons que les projets, là, c'est toujours pareil. Quand ils se présentent une exposition, comme là, on va en faire une petite en groupe à Rock Forest le 24. Ou le 23 novembre, ça va être nouveau, ça. Rock Forest, ils ont fait une petite salle. Pas une petite salle. J'ai trouvé que c'est une belle salle en haut de leur centre culturel. Puis là, on va être un groupe de peintres, là, probablement 3 ou 4 tableaux chaque. Là. Il y a celle-là qui s'en vient. Après ça, un peu les galeries autour. Quand vous dites les galeries autour, c'est les galeries d'art en Estrie? Oui, c'est ça. Il y en a combien de galeries d'art en Estrie, à votre connaissance? Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, puis il y en a beaucoup. Là, moi, je suis pas vraiment partout. J'étais à Nord-Atelier, là, je ne suis plus. Et puis, il y a une à Montréal, puis j'en ai une à Québec. Puis, je suis pas actif comme j'ai déjà été. Là. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Non. Non. Non, non, non. Je sais qu'à un moment donné, quand ça se présente, là, comme j'ai fait le symposium de Danville cet été, et puis j'ai fait le symposium de Dartwell, qu'on dit. Oui, ouais, ça, Dartwell. Oui, cet été. Si les gens veulent vous voir, ils veulent regarder vos tableaux, par exemple. Ici. Chez vous. Oui, après quel temps. J'ai toujours l'atelier. Il y en a quelques-uns. oui, il y en a quelques-uns. Merci beaucoup, M. Simard, d'avoir accepté cette entrevue. Ce fut un plaisir pour moi. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que cette émission vous a plu. Alors, je vous donne rendez-vous pour une autre émission de Portrait des gens de chez nous.